Avant de commencer nos délibérations, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à la famille d'Emile. Leur douleur est profonde, leur chagrin résonne en chacun de nous. Et nous voulons qu'ils sachent que leur peine est partagée, que leur fardeau est porté par toute la communauté. Je vous invite tous à aborder ce moment de deuil avec dignité et compassion. Dans ces instants de fragilité, c'est la solidarité et l'empathie qui se révèlent lorsque nous nous tendons la main, lorsque nous nous soutenons mutuellement dans l'épreuve. Sa disparition laisse un vide immense dans notre village. Il était l'un des nôtres, un enfant de la Bouillardis, et il restera à jamais dans nos cœurs et nos pensées. La forte médiatisation de cet événement, à l'image d'une société trop souvent voyeuriste, complexifie le deuil que chaque parent redoute d'affronter un jour, la perte de son enfant, qui plus est dans des circonstances non élucidées. L'enquête se poursuit et nous avons toute confiance en notre système judiciaire. Avant de nous recueillir dans une minute de silence en mémoire d'Emile, je vous invite à prendre quelques instants pour honorer sa mémoire, pour penser à lui et à sa famille, et pour exprimer notre solidarité envers eux. Ensemble, dans ce moment de recueillement, cherchons aussi à puiser en notre communauté la force et l'espoir nécessaires pour avancer dans le respect de la mémoire d'Emile.